Et bonsoir à tous, bonsoir chers amis aventuriers, comment ça va ce soir? Hello! Salut, ça va bien. Salut la forme! Et parfait, parfait, hein, je suis bien ravi de vous retrouver pour la suite de nos aventures dans le donjon, dans le château de Balafre. Château qui est tentaculaire, hein, comme vous avez pu le voir. Et c'est que le début, comme disent les jeunes. Enfin, c'est que le début, non, vous avez fait une bonne partie quand même déjà. Mais il en reste, hein. Vous avez eu quelques révélations il y a 2 semaines du coup, 3 semaines du coup pour vous, chers amis viewers. Ah non, 2 semaines. Non, il y a 2 semaines pour vous. Puisque c'est la semaine dernière, c'était une vidéo de level up. Donc ça y est, nos aventuriers sont level 13. Ouais! On est Ça y est. fort! Ça y est, ça y est. Ouais! Vous êtes plus fort. On casse plus de cul! C'est ça. Dans l'idée que aussi les monstres vous en cassent moins. Parce qu'il y a quelques monstres qui ont réussi à vous mettre un petit peu en Mais vu difficulté. qu'ils montent en niveau, ils nous cassent plus le cul aussi! Ah oui, mais là, ceux qui sont dans le château, eux, ils ont pas bougé. Donc, ils vous auraient tué, ils auraient peut-être gagné de l'XP. Très rigolo, ça. Oui, ça serait dur à coder. Ah, ça serait dur à équilibrer, hein. C'est surtout Ah ça, c'est vache, dur à équilibrer parce infernal. que le Infernal. méga boss, Les à challenge la raids fin. de... Pauvre Game Master. Pensez un Oui, peu au un Game enfer. Master. Un Ah, enfer, un on enfer. pourrait faire une campagne d'Aen Retry. Hein. Plus tu Mais connais le donjon, plus tu évites certaines salles, plus tu as des boss qui gagnent en niveau parce que tu connaissais pas au début. moi je vous dis, hein, la prochaine campagne que je fais dans 10 ans, parce que celle-là elle va prendre du temps à faire, c'est une campagne où il y a deux groupes, un groupe de gentils, un groupe de méchants, et moi je vais jouer 2 soirs par semaine. Et il y en a un groupe qui fera son aventure de son côté et l'autre qui fera l'aventure de son côté. Et le but c'est qu'à la fin, ça se tabasse. Et si ça se tabasse avant, comment ça se passe? Ah bah Et après, du coup, c'est après. un tour par session, c'est comment ça marche? Non, 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 c'est que hein, la dernière session, on la fera tous ensemble. Bon, enfin, on en parlera. C'est dans 10 ans, vous inquiétez pas. Putain, on sera à la Quand retraite. on sera à la retraite, voilà, on aura le temps de jouer. On pourra peut-être même faire plus qu'une par semaine. Non, mais moi, je suis hypé, je vais te faire chier toutes les semaines maintenant. Non mais franchement, je commence à réfléchir à des trucs déjà. Mais j'aimerais bien trouver le bon système pour le faire. Un truc qui est pas trop chiant, genre pas Pathfinder. Voilà. Ouais. Donc je réfléchis, je réfléchis. Réfléchis, Plus. réfléchis, réfléchis. Mais d'ici là, je sais que entre-temps, Nerolf est en train de préparer un truc, alors. Non, c'est ça, j'ai la même idée que toi. Ça fait 2 ans que je réfléchis. J'ai le livre, il faut que je le lise. Et j'arrive pas, mais j'ai plein d'idées. Hein. Putain, ça m'arrête Ben, pas. il faut y aller parce qu'après, avant, enfin, 2025, c'est fini Pathfinder là. Même Ouais. s'il faut avant 2000, avant 2020, Ouais, enfin, avant fin 24, 2020, c'est fini. Ah, on 2025, sera, je serai pas prêt en 2025, c'est pas possible, il va falloir me laisser un peu de temps. pardon. Non, il y a tout l'été là. Non, mais 9 ans, c'est bon, 9 ans. Ça, 9 non, ans? avant Ouais, mais que. on n'aura qu'un an pour la faire. C'est impossible de faire une Non, on campagne fera en un an. ouais. Une campagne en un an, on n'a jamais vu. C'est vrai qu'on fait des longues campagnes, j'avoue. Bon, on Si verra. on fait que 40 épisodes, éventuellement, c'est faisable. Oui, bien sûr, 40 épisodes de 40 heures, quoi. Voilà, c'est. C'est rien du tout. Bon, allez, Zazu, raconte-nous ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Ah, on s'intéresse un peu à moi avant de me remplacer par un robot. Eh bien. Ouais, oui, parce que. À l'occasion, on vous fera écouter YouTube. À l'occasion, c'est une l'occasion. surprise. Ouais. Allez, let's go. Le combat fut rapide mais intense contre Mithrodar, entre la boule de feu d'Elerina et son éclair, la tankiness de Kaito, la tornade de pieds et de poings d'Enzaru et les conseils avisés d'Iki de viser les chaînes. À la destruction de celle-ci d'ailleurs, le visage d'Andashi nous avertit qu'il fallait vaincre 4 autres esprits enchaînés pour le libérer. Du coup, nous nous organisons un repli stratégique pour prendre en compte cette révélation. Mais le combat aura tout de même laissé des traces sur Laori et Kaito, dont le charisme en aura pris un coup. Après avoir fait le point sur la situation, nous visitons 2 autres salles et trouvons un anneau de l'érudit. C'est alors que la Guenaude nous aborda pour discuter. Mais Kaito ne l'entendait pas de cette façon. Mais après avoir disparu pour réapparaître derrière nous, quelle coquine, nous acceptons d'engager la conversation. Il s'avère qu'elle est plus une marchande qu'une guerrière, et nous propose de nous aider dans une certaine mesure. Ses affaires avec Mithrodar étant compromis depuis notre combat. Malatroth est ici depuis une 30aine d'années pour collecter des âmes, et
elle-même pas contrainte par la malédiction qui empêche les créatures mauvaises de quitter les lieux. Elle en sait long et nous donne beaucoup d'informations sur que Glimcarus, plus d'informations que Glimcarus, pardon. En vrac, Belshalam est un dragon de l'ombre et fait partie des êtres enchaînés, ainsi que Nihil, un diable vampire, et Castotran, le lieutenant de Kazavon. Et le dernier se trouverait dans la chapelle, mais elle ne connaît pas plus. Andashi était un noble de Tamriven qui a fait appel au seigneur de Minuit, qui lui a même envoyé Kazavon pour prendre la région, et dont Mandrevus aida à vaincre ce dernier. La conversation se poursuivant calmement dans le bureau avec Maladroit. Effectivement. Et suite à cette discussion, vous étiez parti pour vous reposer. A priori, elle connaîtrait un endroit pour se reposer. Et c'est quelque chose que vous aviez envie de faire pour récupérer des sorts et compagnie. Donc, je vous propose de la suivre. Il ne faut pas que je me trompe. Attendez une seconde. Bougez pas, deux secondes. La gâteuse de la vie. Ah ouais, je me suis trompé. Voilà, ouais, c'est sûr. Je sais même pas où je suis. Le Game Master est perdu dans son château. J'ai perdu mon château, il y a trop de salles. Ah voilà, c'est bien, je me suis trompé. Hop. Voilà, c'était pas là. Il y a trop d'escaliers dans ce château. Je suis où? Super. Bon, allez, alors. Ça aurait pu être fluff, hein. Mamie, elle perd la boule. Hop, regardez, elle est réapparue avec vous. Oh. Elle est là. C'est bon, on peut la suivre. Ouais, mais maintenant j'ai un doute. Ah, c'est parce que c'était là. Oui, je me suis trompé. Je me suis juste trompé dans mes. Bon, on peut y aller. Elle trace, hein, la mamie, hein, vous avez vu. Vite, Elerina, suivez. Vous allez vous perdre, sinon. Essaye de suivre. Je l'ai perdu. Ouais, elle est dessous. Elle est là. J'arrive. Hop là! Et voilà! Des lits tout beaux, tout frais! Oui. Alors, ce qu'elle appelle des lits tout beaux, tout frais, ce sont des couchettes à moitié par terre, hein, qui sont couvertes de poussière, qui sont chacune assez grandes pour contenir une créature qui est légèrement plus grande qu'un humain un peu corpulent, et qui s'affaisse le long des murs de la pièce un petit peu morne et froide. Vous voyez qu'il y a des meurtrières là où se trouve Iki à peu près, hein, au sud-est de la pièce, qui donne sur le lac. Elle donne très très peu de luminosité. Par contre, ça laisse bien entrer l'humidité et le froid. Là on est bien. Et vous voyez que sur le mur de droite, donc ici là, il y a un message qui semble avoir été griffonné. C'est un message un peu noirâtre, rougeâtre. Et juste en dessous, vous voyez le corps d'une orque, toujours vêtue d'une armure de cuir, et qui sert une hache de guerre en obsidienne, et qui gît face contre terre sous l'écriture. Je sais si ça a de la valeur, l'obsidienne. Oh, c'est pas dégueu, hein. Ça devrait. À première vue, ce serait... Ça, c'est un écriteau avec son sang. C'est elle qui a écrit quelque chose. Ça fait penser à ça ou pas du tout? Oui, ça pourrait. Ça pourrait. C'est pas de... Je vais check. Hein. Je prends le temps qu'il faut pour inspecter minutieusement l'écriture. Ouais, ça marche.
Petite question, la bague que j'ai récupérée, ça permet de lire aussi les inscriptions, de comprendre. Tout à fait. Tu peux, en fait, ta bague te permet de lire toutes les inscriptions dans n'importe quelle langue, mais ne permet pas de, oui, de, oui, de parler, de discuter. Voilà. Oui, c'est la confusion qu'on avait la dernière fois. Ouais. Quel langage parlent les orques sur Pathfinder? Je me souviens pas. Eh bien, à ton c'est plus grand étonnement, ils parlent de l'orque. D'accord, c'est orquiche, c'est un langage ouais, orque. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Et du coup, c'est toi, Enzaro, qui possède cette bague, hein, qui la porte. Ouais, hein, bah, du coup, je le lis. Hein. Ouais, ayant écrit alors quelques difficultés. Pour toi, il est écrit « Méfiez-vous du couar ». Je te l'écris. Du couar. C-O-U-A-R-D. Ah non. Du couar. U-C-O-A-R. Ok. Voilà. Bon, la guenaude, elle a l'air d'être pas plus phasée que ça. Pas trop l'intéresser. Ça vous parle, mamie? Qui donc? Quoi donc? Uquar. Oh non. C'est sûr. Non, non. Non, mais je sais que... Enfin, en tout cas, l'orque, là, elle a pas bougé. Hein. Alors, pour se reposer, c'est quand même perturbant. L'orque est séché à côté, il est... On pourrait se débarrasser du corps facilement. Ah bah, c'est vous qui voyez ça. C'est pas sympa, hein, dormir avec un codé d'un cadavre. Il y a d'autres pièces à côté, hein, on devrait peut-être vérifier avant de se reposer. Mmh. Oui. Moi, je suis jamais trop allé plus loin, hein. Mais je sais qu'ici, il n'y a jamais grand monde qui passe. On barricade les deux portes et... On commence un tour de garde ou vous voulez aller un peu plus loin? Bon. Ça vous embête si je vous laisse? J'ai quelques mixtures à faire. Non, avec quelle peau? Oh bah vous inquiétez pas, je dois avoir des pots de rechange par-ci par-là. Mmh. Bon, bah... à la prochaine, vous savez où me trouver de toute façon. Vous savez où est mon labo. Même si vous l'avez un peu saccagé. Enfin, bon, on l'a un peu saccagé. J'ai un peu aidé. Allez, salut! Un plus sur le bus. Elle a beau être de plus en plus sympathique, j'ai du mal à lui faire confiance. Ma foi, nous sommes sur nos gardes. C'est pas comme si... Est-ce que tu as eu le temps de reconnaître jusqu'où vous êtes allé, Iki, pour ta carte? Ouais, c'est dessiné, c'est bon. Ok, parfait. Juste à côté de l'entrée, hein, finalement. Tout à fait. Salle 21, restroom. C'est noté. Ouais. Et ben, comme vous voulez, si vous voulez faire votre petite sieste ici, c'est possible. Moi, je préférerais qu'on visite juste avant les dernières pièces à côté. Ok, là, ça va être... des meurtrières sur l'extérieur, je suppose. Là, c'est un petit renfoncement, genre une mini tour, tu vois, ou une petite tourelle, quoi, petite tourette. Oh. Hop. Effectivement, tu viens d'ouvrir une pièce où tu vois que deux couchettes sont installées vers le fond et effectivement, il y a une créature qui est assise sur une des couchettes et qui est en train de polir, d'affûter son épée. Et lorsqu'elle se lève... Hop, je vous montre la créature. Hop. Elle l'a affûté... Vas-y. Oui, comment? Non, vas-y. Je... Non, je t'écoute. Je voulais savoir si à l'affûter, est-ce qu'il y avait une notion d'intelligence dans sa façon d'affûter? Genre. On peut dire ça. On peut dire ça. C'est pas. Ça avait l'air d'être fait de manière assez consciencieuse. Comme si elle était. Enfin, elle a l'air tout à fait consciente de. Ça se voit à la gueule de son épée. Ouais, après.
On a les armes qu'on a, mais... Et s'il faut, il n'y a pas mieux dans le château, hein. Tu peux pas... Tu sais pas combien de temps, depuis combien de temps elle est là. Est-ce qu'elle a futé en tapant sur un caillou? Tu sais pas depuis combien de temps elle est là, cette épée. En tout cas, elle se lève et elle dit « Ah, cette fois, maître, je ne vous décevrai pas !» Et prépare son épée pour attaquer. Et ça, seul moi l'a compris ou pas? Non, tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris. Oui, donc. Ouais, non. Ouais. Okay. Alors. Tac. Tac. Et. Vous pouvez lancer l'initiative, hein, tout à fait. Attendez, mon brave. Vous avez l'air d'un noble chevalier. On est obligé d'en arriver aux mains. Vous n'êtes sans nul doute que des ennemis de Casavon. Je ne le décevrai pas cette fois-ci. Vous allez tous mourir! Ouais, de ce point de vue, c'est pas fou. Hop, didili. Hop, alors attendez, parce que du coup, hop, c'est bon. Tout le monde a mis l'initiative. Il nous manque personne, c'est bon, tout est bon. Et ben. C'est parti, c'est à Kaito de commencer. Eh ben... On dit. Sur les Wotizashi, et puis... Mm-hmm. Le temps pose. Il n'est plus en pause, c'est bon. Je vais d'abord faire deux pas pour voir où il est. Il est, il vient de se relever de la couchette. Et le... Ah, eh bien, écoute, très bien. Je lui fonce dessus et je m'appuie sur lui pour passer sur la couchette. Ok. Oui, donc en vrai, c'est vrai. Ouais, voilà, il serait plus comme ça. Voilà. Hop. Tu vas me faire un petit jet d'acrobatie, s'il te plaît. Combien ? Eh bien, tu vas te prendre un coup d'épée. Tu vas te prendre un petit coup d'épée à deux mains. Il te voit arriver. Tu vois que c'est, même si c'est un squelette maintenant, bon, ça se voit qu'il sait manipuler son truc, quoi. C'est il a de la bouteille, le bonhomme. Trop d'écran. Hop. Une attaque simple. Bah, il te loupe pas. Il te loupe pas. C'est pas un critique. Ah oui, c'est pas un critique. C'est pas un critique, non. Il te met. Il te slam dans le dos au moment où tu passes. C'était presque envoyer valdinguer dans le mur. Et tu te prends un gros coup d'épée. Tu sens. Comme un genre de picotement dans le dos, comme si t'avais le dos qui te brûlait, t'avais la chair qui commençait à être rongée par de l'acide. Et... Ah, ok. Et tu peux faire ton attaque maintenant. Je peux mettre la snake. Hein. Tout à fait, puisqu'il n'a pas eu son tour encore. Hop, alors, un 7, ça veut dire qu'il est flat-footed, ça touche. Tu lui fais donc tes 24 points de dégâts. Tu lui lacères un peu le dos, ça lui ouvre l'armure. Ça lui sectionne un bout d'armure, donc tu lui fais un peu de dégâts quand même, ouais. J'ai un doute. Je sais plus si j'ai le droit à deux attaques. Non, c'est que sur les attaques à outrance. À part si tu as. Non, t'as. Puis non, même avec rapidité, t'aurais pas. Non, mais je sais plus comment ça marche.
Parce que j'ai deux fois les attaques de chaque épée. Enfin, de... Je sais plus si j'ai pas... Bon, vas-y, laisse tomber. C'est bon. Quoi qu'il arrive, les multi-attaques, c'est que sur les attaques à outrance. Hop. C'est normal qu'il ait si peu de PV, Kaito. Et il vient de se prendre 34 points de dégâts. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas suivi, pardon. Elerina, je crois que ton... comment ça fait ? Restauration, ça va pas suffire. Ah. C'est au tour du chevalier hein, qui lui s'avance vers l'humain qui a ouvert la porte, qui l'a un peu défié, on va dire. Il s'agit donc d'Enzaru. Ça a l'air d'être un genre de duel hein, qui a l'air de vouloir faire. Hop. Ça va. Le GM ne veut pas tuer Kaito. Pas encore. Oh, ça m'étonne un peu. Ah bah là, j'aurais pu, hein. Clairement. Tu te retournes à ta queue outrance. Ah bah clairement, là, j'aurais pu, hein. Là, je m'attendais pas à ça. Tac. 37, ça passe largement, je suis pas sûr à la défensive. Ouais, ça passe. 43 points de dégâts. C'est un bon combattant. C'est un bon combattant. Surtout une bonne épée, ouais. Ah, il a ce qu'il peut, hein. Effectivement, hein, il a une très bonne épée. Il a une très bonne épée. 2 de 10, plus 11, plus 2, plus 6, plus 8. Ouais, le 11, je vais pouvoir te dire après, je te dirai à la fin du combat ce que c'était. Tac tac tac, oui, effectivement, hein, tu te prends une belle mandale. Presque t'étais. Bah, en fait, vu ce que Malatroth t'avait dit, t'étais pas spécialement prêt à te faire attaquer de suite en ouvrant la première porte que t'ouvres. Mais si. Et tu te prends donc 43 points de dégâts en plein dans la face. Ah oui, attends, le monsieur est très haut niveau. Hein, 22 de force, plus attaque en puissance, etc. C'est du sérieux, le monsieur. C'est un bon bonhomme. Et c'était à toi, Elerina. Eh ben, j'ouvre la porte et je rentre dans la pièce. Oh, elle était déjà ouverte. Restauration, je peux l'envoyer à distance ou il faut toucher ? Alors, restauration... Bah, restauration... pas vraiment, enfin en fait c'est quoi que tu veux restaurer, les points de vie? Je t'ai peut-être induit en erreur, excuse-moi. Oui, peut-être, c'était ouais. Pas ça, c'est pas ça, c'est ouais c'est ça alors. Pour les points de vie ça serait plus les soins intensifs, mais malheureusement c'est un sort de toucher, ouais il faut que tu touches pour ça. Ah ouais, touche. Okay. Tous tes sorts de soins c'est des sorts où tu dois placer tes mains en gros sur la personne, ouais. D'accord. Eh ben, j'envoie lumière brûlante alors. Pas sur Kaito. Hein. Oh, quel dommage! C'est que terrible. Et du coup, j'en ai plusieurs. Je mets sur mort-vivant normal. Tout à fait. Exactement. Alors, donc c'est un sort de toucher, c'est ça? Oui, je crois. Et ouais, attends, je vérifie. Rayon de lumière brûlant, attaque de contact à distance. Et tu as fait 14. 14, c'est-à-dire ça plus. Alors oui. Ouais, tout à fait. Et 14, ça touche. D'accord. Ça touche sur l'attaque de contact. Donc tu lui fais des très très gros dégâts, mine de rien. Tu lui fais 45 points de dégâts. Tu vois que ça. Bon, il avait une jolie cape, la cape n'existe plus. Bon, maintenant, c'était un squelette qui était plutôt propre, on va dire, hein, pour un squelette. Il avait tous les os bien blancs. Tous les os sont très calcinés maintenant. Hein. Là, il a pris très cher, le pauvre. Enfin, le pauvre. Et Iki, c'est à toi.
et qui voit le squelette frapper N'Zaru de plein fouet, et je vois la puissance de la créature, je fais pas dans la demi-mesure, je vais vider mon chargeur en utilisant mon nouvel exploit, en visant le torse de la créature, et je lui tire en pleine paillasse, tant qu'il est bien occupé par N'Za. Ok. Donc ce sera un point d'audace consommé, et c'est une attaque complexe. Je peux viser le torse, je ferai donc des critiques sur 19 ou 20 au lieu de 20. C'est parti. Je sais plus ce que je dois cliquer. Alors. Ça a rechangé. Alors, rapidité, non, viser. C'est ça, viser, c'est viser, viser, tu peux maintenant. C'est le truc qui te donne plus de dégâts, mais moins de précision. Ouais, je suis précis. On va prier pour que ça fonctionne. Après, t'es pas loin. Hein. Et t'as vu que le 14 d'Elerina a touché avant. Ouais, c'est ça. Donc je suis assez confiant. En plus, il a une armure. Je pense qu'il esquive. Je suis à tir à bout portant. Ça devrait le faire. Tu peux aussi, de toute façon, utiliser ton action de mouvement pour utiliser le bullseye shot. Et je mets pas tueur d'humain. Et tu mets pas tueur d'humain, tout à fait. Très bien, ça doit ressembler à ça. Par contre, je sais pas, 19 et 20 sur le critique, je sais pas si tu la connais. Ça sera automatique, normalement. D'accord, allez, c'est parti. Et puis si ça l'est pas, je te ferai relancer les dés. Oh, j'ai vu un 20 là. Oh, j'ai vu des choses. Un 19 et un 20. alors attends. J'ai vu. Ah, en effet, un 19. Ouais, mais il y a un 4 aussi là, dans le lot. Il y a un 4 qui a fait un critique. Peut-être fait une magouille, moi. Ah, c'est peut-être parce qu'on a. On avait fait les tests et j'ai peut-être pas remodifié depuis. Alors attends. Ouais. 4, c'est bien. Ah oui. Ouais. C'est bien les modifs que tu lui fais faire. Ouais, ouais, je vais devoir faire des essais, attaque. Moi aussi GM. Oui, non, mais c'est bon, c'est corrigé pour les prochaines attaques, ça ne se passera plus comme ça. Voilà. Non, c'est juste qu'on s'était posé la question, qu'est-ce que ça faisait, combien ça faisait de dégâts à la fin de la dernière session. Ah, oui. Et du coup, pour forcer le crit, j'avais mis un coup critique automatique en gros, en mettant une plage de 1 à 20. C'est vrai. Je voudrais essayer mon crit. Oui, bah on fera ça à la fin de la session. Est-ce que ça confirme sur 19? C'est ça la question. Ça confirme tout à fait sur 19. Puisqu'on est toujours sur la CA de contact. Hein, aïe, aïe, aïe. Les 50. Tout à fait. Toutes les attaques touchent. La dernière est effectivement un critique confirmé. Donc là, tu peux me décrire un peu où tu vises, ça va cribler de tout. Je tiens mon revolver et je le décharge, mais c'est en cliquant sur la gâchette à toute vitesse, hein, comme un cow-boy. Hein. C'est ça, et je tire en plein dans le torse, j'essaie vraiment de tout lui mettre dans l'abdomen. Et je n'essaye même plus de viser, hein, je suis sûr de mon tir, il est encadré par la porte, je peux pas le louper. Bah c'est exactement ce qui se passe. Tac. Hop. 60. 80. Je sens l'adrénaline qui monte balle après balle. Et c'est à N'Zaru de jouer. Balle qui résonne. Vous voyez que le squelette est pas. Commence déjà à s'appuyer un peu sur son épée, quoi. Parce que là, il vient de faire 94 points de dégâts, si j'ai bien compté. Ouais, on doit pas être loin de ça, oui, ça doit être ça. Hein. 60 et. Oui, c'est ça. Le squelette est pas mort, hein, effectivement, je confirme. Ok. Ça devient violent, je le visique là. vous êtes sûr, vous voulez continuer à combattre peut-être? Vous allez peut-être rester en vie quelques. Enfin, ou mort quelques années de plus, non? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les premiers à m'avoir battu. Ah, vous avez déjà perdu. Merde. Ah, plus d'une fois, malheureusement, je ne m'en remettrai jamais. Enfin, si, mais. Et vous savez que Kazavon, il est plus là, hein?
Casavant est toujours là. Et il pointe son cœur. Je crois que vous voulez en finir. Oui, finissons-en. Eh ben écoute, c'est parti. Petit déluge de coups avec des points de feu et du key strike et tout. Très bien, je libérerai votre âme de ce monde impie, de ce château maudit. Faites donc. Beaucoup ont essayé, personne n'a réussi encore. Oh, j'active ça. Est-ce que tu passes en posture défensive? Ouais. Ouais? Ok. Bien sûr. Hop, c'est bon. Ça, ensuite, déluge de coups. Il est où? Je te mets l'attaque sournoise pour la première attaque seulement. Yes, pour le coup de pied tournoyant. Oh là, il y a trop de dés. Oh là là. Oh, le plateau, il ressemble plus à rien. Eh ben, figure-toi qu'il n'y en a aucune qui touche. Il part tous tes coups. Même à 24? Même à 24, 25? Même à 25. Ah oh, putain là. Il est pas peu fier, il dit. Bah alors, c'est tout ce que vous avez. Ok. Bravo. Je recharge mon arme. Vous êtes solide sur les appuis, dis donc. J'ai de la bouteille, qu'est-ce que vous croyez? On ne devient pas le commandant en chef de Casavant en étant un pleutre au combat. Je vois ça. C'est à Laori. Laori qui débarque un peu. Hein. Elle entend les coups de feu et les coups de poing qui passent pas au travers de l'armure. Et s'avance. Et elle est en mode les gars, moi j'ai plus de sort. Hein. La sec. Hein. N'inquiétez pas, ça va bien se passer. Elle fait un sort de sanctuaire sur Elerina. C'est tout ce qu'elle peut faire. La fin du paquet. Ah là, c'est la fin du paquet. Tout à fait. Sanctuaire. Tout est en défausse. Ah là, tout est en défausse, ça va être l'heure de brûler des cartes. Hop, et Kaito, bah c'est à toi. Ok, bah, je fais un pas de place. Ouk, je descends du lit. Et puis, bah, peut-être comme temps. Yes. Oh, il y a un crit, c'est beau. Il y a un crit qui est pas confirmé, mais il y a un crit, ça veut dire que ça fait du dégât. Et ça sera la seule attaque qui touche, le crit. Enfin, le crit non confirmé. Donc, tu essayes de le contourner un peu avec plusieurs attaques, de voir comment il arrive à esquiver malgré... Attends d'ailleurs, parce qu'il y a la prise en tenaille. Casnex, c'est 29 points de dégâts. Non mais avec la prise en tenaille ça fait plus 2, mais non, c'est même avec la prise en tenaille ça ne touche pas. Le 27 ne touche pas. Oui, donc je disais tu arrives à trouver une petite faille à un endroit à un moment pour mettre un petit coup de Wakizashi. Tu te rends compte que le Wakizashi c'est pas spécialement l'arme la plus efficace contre ce type de créature. Aussi armuré, mais t'arrives quand même à lui faire pas mal de points de dégâts. Et vous voyez qu'il est sur sa dernière jambe, le bonhomme. Hein, il a un genou à terre, il est pas loin de donner son dernier souffle de mort-vivant, on va dire. Mais c'est à lui de jouer.
Et dans un, on va dire, un souffle de désespoir, hein, on va dire, pour donner ce qu'il a de meilleur, voilà. Encore un dernier souffle. Il soulève son épée, l'a fait tourbillonner un petit peu, et il fait un genre de grand slam au sol qui vous envoie presque une explosion, comme s'il y avait des explosifs dans son épée, dans le pommeau de son épée, quand il l'a fait exploser au sol. Et vous avez un cône qui vient vous exploser dans la face. Il va falloir que vous fassiez un jet de réflexe. Est-ce que c'est tous? Est-ce que... attendez, je vais faire le cône comme ça. Ouais, bah c'est tous les trois, sauf Laori. Petit jet de réflexe, s'il vous plaît, tous les trois. Yes. Et rien, fait un 19. Alors, comment ça se passe pour le sort? Vite fait, je vais regarder ça. Sanctuaire. Alors, attends. C'est pas un sort targeté. Donc du coup, il peut le faire. Je vais regarder. Je vais aller vite fait. J'ai une réaction qui permet d'améliorer un jet de plus 1. Je regarde juste si je l'ai encore. Je prends rien si j'esquive. Ouais, t'as esquive... Parfaite, je sais plus quoi. Ouais, je sais plus, ouais. C'est ça. Ok, alors... C'est moi faire mon attaque, du coup, hein. Hop, merde, pas ça, je voulais. Ah ouais, c'est bon, on va le faire comme ça. Hop, voilà. Et vous prendrez toute la moitié de ça. Vous prendrez donc tous 7 points de dégâts. Moi aussi ? Sauf toi, du coup, tout à fait. Non, c'est... J'ai un anneau d'esquive total, ça fonctionne pas. Ah, peut-être. Si, ça me paraît... Cet anneau peut en faire en permanence une agilité stupéfiante. Son porteur peut éviter les attaques comme si elle possédait un pouvoir d'esquive total. Chaque fois qu'il réussit un jet de réflexe pour déterminer si les dégâts subis, son armure réduit de moitié, l'attaque n'inflige aucun dégât s'il réussit. C'est tout à fait ça. Bien vu. Eh bien, seul toi, Elerina, tu te prends 16 points de dégâts. D'accord. Voilà. Et je te l'ai donné parce que tu avais le sort sanctuaire. Même si tu as loupé le jet d'esquive, tu l'as pas loupé de beaucoup. Donc, grâce au sort sanctuaire, je te le donne. Il faut quand même que ça ait un petit effet. Hop. Et c'est à toi de jouer, Lérina. Eh bien, je vais retenter le même sort que tout à l'heure. La flamme contagieuse. Alors, je crois que j'ai fait une bêtise sur un truc là. Attention, non. Ah oui. Hop, vas-y, tu peux y aller. Malheureusement, le 10 ne touche pas. Ouais, tu n'arrives pas à... Tu vises le mur cette fois. Malheureusement, il est un petit peu dans l'encadrure de la porte. Et du coup, tu as touché le mur à côté. D'accord. Mais c'est à Iki de jouer. Iki. C'est quoi la première lettre de ton nom? C'est un K. Comme Kazavant. Eh ben ça, très bien. Je vais te la graver sur le torse. Je remets un point d'audace. Ça marche bien les points d'audace. Et puis je vais vider mon chargeur. Parce que du coup le point d'audace il te sert à quoi là dans ce cas là? À viser le torse. Ah ok, ça marche. Pour faire des critiques sur 19 et 20 au lieu de. Ok, 20. Ok. Voilà. Et j'ai regagné un. Je n'avais plus qu'un point d'audace, hein, et vu que j'ai fait deux critiques, j'ai regagné deux points d'audace. Ok. Voilà.
Ah, c'est ça, c'est donc ça que c'est donc comme ça que ça marche. Ouais. Ouais, il faut arrêter les critiques. C'est sur des critiques confirmées, non? Dès que tu fais un critique, peu importe. Un critique confirmé, je regagne un point. Ou je tue quelqu'un, je regagne un point. Ou le GM pense que mon action est sympa, il peut me filer des points. C'est ça. T'as dit que t'avais fait qu'un seul critique tout à l'heure. Ah, il y en a qu'un. J'ai cru qu'il y avait un 20 et un 19. D'accord. Non, il y en avait qu'un seul. Bon. Alors, c'est mon dernier point d'audace. Okay. Pardon. Le 19, c'était la confirmation du critique. Oui, c'est ça. Ok. Bon, mais j'ai entière confiance en toi, là. 18, dommage. Ouais, bah, tout touche, hein, de manière générale, hein, y a pas de souci. Tu peux me décrire ce que tu fais et comment tu termines la créature. Je tire la première balle en l'assurant vraiment dans le torse et je pose mon pied juste, je fais un petit pas pour assurer le reste et je tire vraiment comme si je séquençais mes balles en laissant un temps d'arrêt l'une derrière l'autre pour être sûr de les mettre dans le torse et le poitrail du squelette. Ça me convient. Et sur ce coup-là, tu vois que l'armure, il prend trois belles balles dans le torse. Il s'effondre par terre. Vous voyez que les os il devenait rongé par l'acide un petit peu. Et il ne reste que l'armure au sol. Pas l'épée. Et, l'épée aussi, tout à fait. Enfin, tout ce qui n'est pas lui, quoi. Quelle créature épouvantable. Le bougre était costaud, et son épée m'a brûlé la peau. Un peu comme vous, Kaito, je crois. Oui, ça arrache. Mais on devait pas dormir à la base, là? Oui, et bah, peut-être qu'heureusement on a vérifié, hein, s'il arrivait pendant qu'on dormait. Parce que c'était quoi sa première lettre? C'était un K? C'est un cas. Ouais. Hein, et qu'est-ce qu'il y avait marqué sur Iki sur le mur? Faire attention à. Ul quoi? J'ai oublié de le marquer. Ok. Il y avait un cas, il l'a peut-être écrit à l'envers. De toute façon, j'écris très mal. On peut marquer que le cas ressemble à rien. C'était ça, faire attention à Ulquar? Ouais. Méfiez-vous du Quar. Mais lui, il ne s'appelle pas Uquar. Et lui ne s'appelait pas. Bon, en tout cas, d'après lui, il commence. Ça commence par un K. Peut-être que le U se prononce pas. J'ai juste un œil dans la pièce pour la salle. Pour dessiner. Ok. Du coup, vous avez au sol son armure de plate avec, comme vous l'avez vu sur l'image, je sais pas si vous souvenez de l'image, je vais vous la remettre, avec des spikes, un petit peu des pics sur les épaulières, et son épée longue. Personne n'utilise ici. Et demain, tout à fait. La nénette qui est avec nous, elle utilise une armure lourde. L'intéresser, il est pique là. C'est une. Oh ouais, on est tellement mal. Non, elle a pas d'armure. Elle a. D'accord. Enfin, c'est une armure à pointe, mais c'est considéré comme une arme. Parce que c'est très léger. C'est juste plein de pointes qui sortent un peu partout. Ça semble avoir de la valeur. C'est des trucs d'extrêmement bonne qualité, ouais. Pourriez les identifier, Irina, voir si ils sont magiques. Oui. L'épée, en tout cas, m'alerte. Oui, je vais commencer par l'épée. D'ailleurs. L'épée m'a l'air magique, en tout cas. C'est une épée d'acide. Hein. Moi, je vais l'identifier. Hein. Avec ce que j'ai pris, il y avait de l'acide dedans. Alors, 32. Ouais. L'épée est une épée longue plus 2 en fer froid. Pas d'acide?
pas d'acide. Il a peut-être rajouté un petit flacon d'acide dessus, allez savoir. Peut-être ça qu'il l'a futé. Hein. Et l'armure, tu n'arrives pas trop à déceler, tu sais juste que c'est une armure de plate. Pour toi, elle a l'air magique, mais là, comme ça, ça te... T'as pas l'instinct, on va dire. Écoutez, il vous reste de la place dans votre sac, Kiki ? Pas pour l'armure, malheureusement. Je peux porter l'épée. Ça doit pas excéder 40 kilos. Parce qu'une épée à deux mains, comme ça, ça doit peser une dizaine. Ça doit peser une dizaine de kilos, mais l'armure... T'as une limite à ton sac ? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, j'ai 240 décimètres cubes en poche avant et 60, j'ai 300 décimètres cubes. Ouais, c'est... Il fait 34 sur... Ouais, je peux prendre l'épée. Elle fait 4 kilos, l'épée. Combien ? Elle fait 4 kilos. Ok, bah, l'armure, on sait jamais, mais à mon avis, elle dépasse largement les 10 kilos. Bah, après, c'est pièce par pièce, hein. C'est pas un bloc. Oui, oui, c'est ça, mais dans la poche qui me reste... Elle fait 25 kilos. Ouais, 25, donc je suis obligé de la mettre dans la poche de 40 kilos, hein. C'est cuit, je peux pas. D'accord. Il te manque combien pour la mettre dans celle de 40? Il manque 15 kilos. Moi, je dois pas porter grand-chose, à mon avis, hein. 15 kilos. Faudrait que je le vide un jour, mon sac. Tu dois en avoir des choses à dire. Ouais. J'étais un bateau. Non bah écoutez, l'armure, au pire, laisse, hein, tant pis, on peut pas tout prendre. Hein. Tu portes 40 kilos, Kaito, d'après mon... C'est beaucoup. Ouais. Après, je peux peut-être la porter à côté, hein, j'ai le sac, mais en somme... Tout est dans mon sac, après, hein, j'ai rien sur moi. Et je suis censé être à combien, là, en poids ? C'est quoi mes limites ? J'ai pas mis de limite, après je peux. Et si je les enlève. Hop. Je suis méga trop lourd. T'es méga trop lourd, ouais. T'avances plus normalement, si je mettais les limites. Attends, c'est quoi qui me pèse si Bah t'as ton armure. La maille brume là. Qui pèse 12-13 kilos. Ouais. 12 kilos et demi. Les torches, 10 kilos, j'en ai 10. Comment ça se fait que j'ai dit torche, tout va bien. Ça fait 5 kilos. Mais sinon, elle a dit qu'elle avait. Tu nous as dit qu'elle avait pas d'armure. Elle avait rien sur elle. Elle peut pas la porter. Ça l'embête de porter l'armure. Porter l'armure de ce mort-vivant, là. Vous êtes sûr? C'est un peu dégueu quand même, non? Ok. Elle a l'air vachement bien, cette armure. Non mais moi je préfère être libre de mes mouvements. Je suis bien d'accord. Ouais, très bien. Préférer prendre des coups, oui. Bon après si vous insistez, vous si vous pensez que ça me rendra meilleur, moi je peux essayer. Il y a des contre-indications avec ta magie, je sais plus. Ah bah oui, il sera peut-être un peu plus difficile de placer certains sorts. Hein. Je sais pas, mais moi j'y connais rien avec le magie. Bah je sais pas, moi j'ai jamais porté d'armure comme ça. Moi non plus. Hein. Oh non, laissez tomber, on va pas... Non, non, si vous n'êtes pas habitué, on va pas vous entraver. Hein. Non, non, prenons l'épée. Ah, si vous voulez m'entraver, façon... c'est avec grand plaisir par contre. Ouais, j'imagine. J'imagine. Bon, finissons de fouiller ces pièces et allons nous reposer. Je me mets en posture défensive totale pour ouvrir chaque porte. Oh, de suite, pas drôle. Bon, de toute façon, je crois qu'il n'y aura personne à tous les coups. Tu entres dans une pièce où tu vois ici une couchette moitié moisie qui se trouve sur le mur ouest, à côté d'un bureau rempli de plein de parchemins un peu pourris. Tu vois un casier en fer qui se trouve au pied du lit. Ouais, bah je fouille la pièce et puis je regarde le casier. Le casier est trop rouillé pour que tu t'arrives à l'ouvrir comme ça. Un coup de pied ? Par exemple, tu peux me faire un jet de force si tu veux. Moi et ma force légendaire. Par exemple, ouais. Qui c'est qui crochetait, c'est Kaito ? Ouais. Mais là, c'est pas trop un problème de verrou, ouais, c'est vraiment la rouille.
Est-ce que quelqu'un veut aider Nzaru? Oui, je l'aide, bien sûr, je l'aide. Vas-y. C'est un jet de quoi? Un jet de force. Bah à deux, vous allez bien y arriver quand même. Ça se cumule ou c'est qu'un bonus? Je vais être gentil, je vais... Oh là là, quel enfer. Oh le vin côté du 1. Mais en fait, alors, ce qui s'est passé, c'est que Iki, il a tapé dans le lit. Il a visé très fort, puis il a tapé dans le lit. Heureusement Kaito arrive, et à lui tout seul, hein, parce que vous n'avez pas fait grand chose en soi, à lui tout seul arrive à ouvrir la boîte. Je vous avais bien dit que c'était Kaito qu'il fallait appeler en me tenant le pouce, l'orteil. J'ai tapé dans le lit. Et à l'intérieur, tu as des armes rouillées, mais vraiment, vraiment rouillées, des potions cassées, donc avec plus rien dedans. Et tu trouves une pochette, un petit sac en cuir, une bourse quoi, avec des pièces dedans et une bague. Bague. Une bague en argent qui est ornée d'un joli scarabée en jade. Je la refile à Elirina. Tenez, c'est peut-être magique. De toute façon, je la regarde passer sous mon nez. Pour les pièces, si vous voulez, on peut partager les pièces. Ouais, on va faire ça. Hop. Tu fais de façon automatique? Ouais, par contre, je crois que ça a mis des pièces. Ouais, il reste une de chaque dans le coffre. Ah, vas-y, je les prends pour une fois, ça changera ici. Ouais, prenez-les. Pas de soucis. Ah oui, c'est ça. Ça a mis des pièces dans le... Ah, il faudra pas que je fasse comme ça, ok. Ça a mis des pièces dans le pot commun. Il y a un loot en commun où vous pouvez vous servir. Ça, je les mets dedans, au pire. Voilà. Je les mets dedans. Ouais. Hop. Et normalement, vous pouvez cliquer sur la bague en argent pour la prendre. Temps de savoir ce que c'est. T'as fait un G, Irina? J'ai pas vu. Oui, 27. 27. Pour toi, cette bague n'a absolument rien de magique, mais c'est une très très jolie bague qui doit valoir son pesant d'or. Comme vous voulez. Si vous voulez la prendre, Irina, prenez-la. Oui, après on peut la revendre, du coup. Bien sûr. Tout à fait. Pierre de bain, vous ferez un deuxième test pour être sûr qu'elle n'est pas magique. Est-ce que vous souhaitez regarder autre chose dans cette pièce? Les parchemins là. Et... Ouais, tu peux me faire un jet de perception. Alors, 27. Tu vois que ça a l'air d'être des documents qui relatent de l'intendance du château, des commandes de bouffe, le paiement des serviteurs. Okay. Il y a des dates? Non, il n'y a pas spécialement de date, non. C'est juste des tables, enfin c'est un tableau griffonné, plein de tableaux dits griffonnés en gros avec des paiements en or, des... C'est plus un document genre strictement comptable avec des montants en or quoi et en argent. Ouais, okay. Hein. Est-ce que j'ai des sur les lignes il y a à part de la bouffe et des trucs il y a des choses qui me des trucs de valeur qui sautent aux yeux dedans? Beaucoup d'armes de manière générale, beaucoup d'armures. Après, il n'y a pas spécialement d'armes et d'armures magiques, on va dire. Enfin, pas de. Tu vois, il n'a pas commandé une épée plus 2, quoi, on va dire, tu vois. En fer froid, par exemple. ça, c'est pas commandé. Pour mon meilleur commandant. Pour mon meilleur commandant, le préféré de Casavant. Non, ça y est pas. Ça serait tellement drôle.
et une bouffe spéciale avec du riz cantonné pour... c'est le ninja du château. Je vais juste envoyer un petit message deux secondes. Hop. Sur Discord. Si ça t'arrange, c'est presque l'heure de faire la pause. Ouais, non, mais j'aimerais bien le faire là, ça. Ok. Flash for Hop. Ben. Voilà. Que, oui. Si je lis, il n'y a plus les caméras. Bah, tu lis une seconde, ça va pas prendre longtemps, tu vois. Donc, du coup, vous avez... Kaito qui est en train d'étudier les parchemins. Et vous d'autres, que faites-vous pendant ce temps-là? Je fais une petite fouille de passage secret, comme d'habitude. Moi, j'aime bien fouiller ça. Je nettoie mon arme. Je nettoie le revolver. Ah, y a pas assez de nourriture, là, on va pas survivre. Au secours, à l'aide. Sauvez-nous. Il faut qu'on aille demander de l'argent aux contrées voisines. Qu'est-ce qui vous arrive, Kaito? Prenez-vous. On n'aura pas assez. Oh, il nous fait le même coup que Elerina. Non, Rattrapez-le. Non. Mais s'il vous plaît, allez chercher de l'argent. Mais on en a de l'argent. Combien il vous faut? Pour tout le château, si on se prend un siège, au moins 2 millions. On les a. Ceinturez-le, faites quelque chose, c'est ça. Et des agents sont déjà partis aller chercher les 2 millions, vous inquiétez pas. Vous êtes sûr? Mais oui, vous les avez déjà envoyés, vous rappelez pas? Non, mais ils sont pas revenus. Ils ont été pris dans une embuscade, j'en suis sûr. Allez chercher de la nourriture. Nourriture, les gardes mangeaient son plein, qu'est-ce que vous racontez? Mais non, regardez ces notes, on en a plus, on n'a plus rien. Et Elerina, vous auriez pas un petit dispel magic là? Il m'a l'air complètement... Si. Quoi? Non, pas de magie, non, à part pour faire de la bouffe. Et justement, on va lancer un sort de pain. De pain? De pain dans ta tête. Non, mais les pains. Les pains, c'est pas elle. Du bon pain chaud. Bon. Avant que Elerina, tu lances ton sort, Kaito semble reprendre ses esprits de manière hyper soudaine, comme si c'était rien passé. Kaito? Oui. Je vois que vos yeux sont moins vitreux. Vous allez mieux? Oui, tout va très bien, ici. Hein. Vous avez eu la même hallucination que Elerina il y a quelques heures. Non, regardez, je lisais ces documents, tout va très bien. En l'occurrence, vous avez eu une perte de contrôle. Je vous assure que vous nous avez demandé de chercher de l'argent et de la nourriture. Ah bon? Ben non, c'est pas possible, je suis en train de lire ces documents. Je ne sais pas à quel moment j'aurais perdu mes esprits. La vieillesse avance de jour en jour et je perds la mémoire. Mais rappelez-moi, comment Elerina est devenue... a eu aussi un coup de... une hallucination? C'était en lisant quelque chose, un tableau? Quand je suis rentrée dans la pièce. Juste en rentrant dans la pièce, d'accord. J'ai cru que c'était le fait de lire ces anciens documents. Et vous n'avez pas eu de nouvelles hallucinations depuis? Vous vous sentez bien? Non, ça a l'air d'aller pour le moment. Vous vous souvenez, Kaito, comme elle a... Quand elle a... Oui, oui, mais elle, c'était différente. Elle a crié, elle a hurlé. Ah, mais je vous assure que vous avez exactement eu la même réaction. C'est quoi cette misogynie, là, mon très cher Kaito? Bon, non mais... Faites-nous confiance, on est quatre à vous avoir vu perdre le contrôle, donc croyez-nous un petit peu. C'est ce que je fais, je suis en train de lire ces documents. Il n'y a aucun problème, là.
Sortons de cette pièce, de toute façon. On n'a plus rien à y faire. Et a priori, elle est hantée. Comme ça. Effectivement. Donc vous allez bien, ça va. Vous partez de la pièce et on va faire notre petite pause. On se retrouve très bientôt, les amis aventuriers. Ciao. À tantôt. Ciao. Ciao. Sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et rajoute un pouce si tu as aimé la vidéo. Avec Twitch, viens nous voir en live. Sur Facebook, tu peux aimer notre page. Sur Twitter, suis. Tous les liens sont dans la description. Allez, Minsk, on y va. Nous, on a encore du gobelin à dérouiller.